Bonjour, je suis Amin Beladjal, je suis radiologue. Je travaille actuellement en tant que PH temps plein dans le CH Arras, dans lequel j'occupe le poste de chef de service d'imagerie. Donc, je suis Daniel Puch, je suis le cadre supérieur du pôle imagerie et exploration fonctionnelle au CHR de Lille. Samuel Bernard, cadre en imagerie médicale, groupe hospitalier sur Quincarvin. On a retravaillé notre mode de communication interne dans le service, puis on a aussi retravaillé nos flux patients, notamment avec la filière urgence aux externes, avec la programmation, la planification automatisée des demandes faites par les urgences. Nous, on avait un projet de renforcer l'équipe des manips pendant la garde pour pouvoir prendre les patients dans le cadre de l'AIT, pour jouer sur la pénibilité du travail, et pour limiter les TMS pendant la garde. L'exploitation de trois équipements nouveaux au niveau du CHU de Lille, c'est un projet de développement de l'imagerie ambulatoire, démarche qui a été initiée volontairement par le CHU de Lille. Ça nous apporte une certaine méthodologie de travail, ça nous aide aussi à réfléchir sur nos organisations, sur la manière dont on peut régler soi-même nos problèmes. Ça permet de fédérer une équipe autour d'un projet d'amélioration de la qualité pour bien de nos patients. Moi, je dirais qu'il a même dépassé largement nos attentes. Moi, je pensais qu'on allait ramener nos problématiques et qu'on allait avoir des réponses toutes faites. Au lieu de ça, on nous a appris à réfléchir, à se concerter. Et je dirais aussi que l'échange avec les autres établissements nous a aussi donné plein de pistes de réflexion auxquelles on n'aurait pas forcément pensé avant. D'abord, un temps nécessaire de réflexion, c'est de se poser et avoir des réflexions en disant bah, peut-être ça, ce segment-là, on ne l'a peut-être pas exploré jusqu'à fond, quoi, tout simplement. On n'est pas dans ce carcan de modèles qu'on reproduit. C'est de se dire, voilà, on regarde ce qu'ont fait les autres, ce qui aboutit, ce qui n'a pas abouti, comprendre les échecs pour comprendre les réussites, pour rebondir de notre côté. Ça nous permet de réfléchir sur la façon dont on doit aussi interpréter et exploiter nos données, nos indicateurs de performance et de qualité. L'outil analytique avec le rapport de notre activité et de nos ressources personnelles nous permet également de repenser nos organisations, voir si on peut les rendre un peu plus efficientes. On a travaillé avec les différentes directions fonctionnelles du CHU Lille pour qu'il y ait une production d'indicateurs hebdomadaire, mensuel, ou trimestriel, voire annuel. Donc ça a été une nouveauté pour nous, une innovation véritablement. Mise en commun de nos problématiques, partage d'expériences intéressantes, résolution aussi de problèmes par nos pairs. Donc on a vraiment une mise en commun de nos expériences. Actifs, complices. Et aussi, je pense, sérieux dans l'échange. Et ça, je pense que c'était une plus-value. Alors, au niveau d'atelier, c'est assez ouvert. On a un cadre, mais il y a beaucoup d'échanges. C'est très constructif. Il y a beaucoup d'interactions avec les animateurs, avec nos collègues. Ce qui fait que les sessions sont à chaque fois très vivantes et très instructives. Si on a un besoin, je pense qu'il faut le faire. On a toujours dans cet esprit de dire bon, c'est une méthode. Qui dit méthode, qui dit application, ça va être quelque chose de très rigoureux. Finalement, c'est pas ça. C'est quelque chose de rigoureux, mais à travers une autre approche. Une approche constructive, mais une approche aussi d'expérience, d'expérimentation. Et finalement d'échanges en permanence qui font progresser. Je pense que l'outil est important, mais la construction était plus importante. Et c'est notre propre construction grâce à l'aide de la nappe. Une disponibilité, une bienveillance, une écoute. Accompagnement, méthodologie, partage. Bienveillance, autonomisation, merci, tout bêtement.